Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous Tech Info News. Nous comptons avec vous pour nous capable présenter essentielles informations dans le pays d'Haïti. Dans le reste monde, nous comptons avec vous pour nous capable informer. Premier ministre Ariel Henry, il prend la parole sous tribune Nations Unies. Ariel Henry, qui parlait sous divers sujets, tant qu'aux frontières, il parlait sous dialogue, et il parlait tout sous, troupes qui t'a devenu dans le pays d'Haïti. N'a bien pour tendre dans le commencement du journal là, qui ça, Ariel dit, par rapport à trois sujets ça yo, qu'on a fait connaître sous question frontière, il choisit dialogue et Haïti qui droit pour utiliser richesse binationale. Jean voisin dominicain fait ça. Ariel Henry fait connaître, c'est dans élection pour tout le monde qui voulait prendre pouvoir yo aller, et il mandé encore une fois pour gagner une force étrangère qui rentre dans le pays pour capable venir courir PNH là. États-Unis imposé restriction à 5 citoyens haïtiens accusés comme monde cap courir violence à gang dans le pays d'Haïti. Citoyens ça yo pas capable d'entrer dans le pays États-Unis. Et secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a annoncé nouvelle ça sur compte X ancien Twitter. Non monde ça yo jusqu'à présent pas révélé. États-Unis déjà sanctionné ancien sénateur Ronnie Célestin, Richard Lénine, Hervé Foucan, Joseph Lambert et Yuri La Tortue avec l'autre monde encore qui pas gain droit rentrer dans le pays États-Unis. Côté gay Anthony Blinken qui était participé dans une rencontre avec Premier ministre Ariel Henry, mais tout, ministre des Affaires étrangères pays Kenya sous sécurité pays d'Haïti, fait qu'on est force multinationale là capable de débarquer dans quelques mois encore, demander pays en milieu pour y bail contribution l'agent soldat logistique et puis demander Nations Unies pour autoriser débarquement force là dans pays d'Haïti. Mais faut que nous précisions tout, États-Unis dit le pari là pour le bail 100 millions de dollars pour Corée. Force ça qui doit venir dans le pays d'Haïti, président kenyan William Ruto t'a déclaré jeudi dans l'Assemblée générale des Nations Unies, communauté internationale là t'a décevoir Haïti, il demandait une résolution rapide pour permettre force ça les déployer dans le pays d'Haïti. Quelle la paix qui t'a faite dans mitan bandio qui fait connaître mais zone yo libéré yo d'après ça vous fait connaître cependant il y a un pile acte dans société a qui paraît pintade qui donc parle quoi causer ça puisque 22 tan blanc te gen coup d'zam qui t'a chanté tankou nan mon cabrit. Rete avec ton tit sa yo ak pilote pou fè essentiel journal la pou mater. J'en ai dit l'antitio, situation, il est pas bon du tout dans le pays d'Haïti, et d'ailleurs, dossier haïtien, il était devant Nations Unies. Côté, Premier ministre Ariel Henry, il prend la parole. Tout d'abord, nous prenons, faut tendre, qui ça le dit par rapport avec frontière. Les parler de situation ça qui crée dans le pays d'Haïti et qui génère un malaise inutile en deux peuples. Les soulignés haïtiens n'est pas en guerre avec aucun monde. Haïti c'est un peuple solidaire et généreux. Concernant rivière massacre, les réaffirmer droit grand monde pays d'Haïti pour utiliser richesse binationale Jean-Dominique Fellin. Les revendiquer une répartition équitable de l'eau rivière ça. Peuple haïtien choisi voie dialogue pour résoudre problème ça d'après Ariel Henry en Coutel. Monsieur le Président, je voudrais souligner à la haute attention de la communauté internationale une situation qui s'est développée ces dernières semaines à la frontière haïtiano-dominicaine, créant un malaise inutile entre les deux républiques qui se partagent l'île. Je souhaite préciser que la République d'Haïti n'est en guerre avec personne. Les Haïtiens sont un peuple généreux et solidaire qui croit au dialogue et à la possibilité de partager équitablement des ressources communes sans heurts et dans le respect mutuel. Je suis venu vous dire que nous n'avons pas de jugement ni d'intention qui peuvent préjudicier ceux qui sont nos voisins, avec nous partageons l'île d'Haïti, avec qui nous sommes appelés à vivre et à progresser. L'histoire nous rappelle chaque jour que la violence entre pays frères ne peut entraîner que des regrets et nous laisser des amertumes qui se transmettent de génération en génération.
Je suis venu vous dire, et surtout vous transmettre le message du peuple haïtien dans son ensemble. La rivière qu'on appelle la rivière Massacre, une trop grande scène de friction historique et actuelle entre la République d'Haïti et la République dominicaine, nous invite à faire nôtre et à faire de notre mieux pour ne pas réveiller les vieux démons, ressusciter d'anciennes blessures, ni en causer d'autres. Haïti réaffirme son droit souverain du peuple haïtien d'utiliser les ressources hydriques binationales comme le fait la République dominicaine et revendique une répartition équitable des eaux de cette rivière. Le peuple haïtien choisit la voie du dialogue et de la négociation pour régler pacifiquement le différend dans le respect des instruments juridiques internationaux déjà signés de bonne foi entre les deux États en 1929 et en 2021. Ariel Henry qui était à sous tribune des Nations Unies, elle parlait concernant crise politique là, il fait qu'on est, il déjà a préparé là pour lancer processus électoral là, d'ailleurs tout le monde qui voulait prendre pouvoir c'est dans élection pour yo capable aller, j'en toujours bien dit ça en côté Ariel Henry. Pas de plus. Du haut de cette tribune, je lance un appel à tous les Haïtiens de bonne foi, ceux qui vivent dans la diaspora comme ceux de l'intérieur, tous les acteurs de la vie politique, quelle que soit leur tendance, à travailler avec le gouvernement pour combattre les gangs, rétablir la sécurité et, comme de vrais démocrates, à prendre le pouvoir par les urnes. Ce gouvernement intérimaire que je dirige est déterminé à réaliser les élections dans les meilleurs délais. Et dans les jours à venir, malgré la situation, je finaliserai en accord avec le Haut Conseil de la Transition les démarches pour le lancement du processus électoral avec le support de la communauté internationale. Le gouvernement entend continuer à discuter avec tous les acteurs politiques et ceux de la société civile de mon pays afin de trouver ensemble, dans un élan patriotique, un consensus historique suffisant pour un dénouement heureux à la crise. La démocratie est en difficulté. Et le pays a besoin d'un retour à la normale pour s'attaquer aux grands défis de l'heure. Je souhaite également la participation significative des femmes et des jeunes de la société civile et de tous les acteurs concernés à l'effort commun pour le redressement d'Haïti. Seul un gouvernement légitime, issu d'élections libres, honnêtes, démocratiques et transparentes, pourrait s'atteler à la tâche de la refondation territoriale, économique, sociale et institutionnelle. Et puis Ariel Henry parlait tout concernant un force qui t'a devenu dans le pays d'Haïti. Ariel Henry mandé pour gagner un déploiement une force multinationale dans le pays. Il fait un ensemble étalage problème pays a fait face et déclaré question sécurité arrêté un dans plus gros problème gouvernement lien. Il mandé pour conseil sécurité agir en urgence pour déployer une force multinationale pour corriger PNH pour établir l'ordre. Ariel Henry. Certains pays ont connu des situations similaires à celles que vit mon Haïti actuellement. Ce sentiment de toute puissance des criminels ne doit pas pour longtemps encore résister aux lois de la République et à la volonté de l'ensemble des citoyens
de récupérer leur liberté de circuler et de se projeter dans leur pays. Des Haïtiens, il y en a un peu partout, aujourd'hui dans le monde. Et beaucoup espèrent retourner chez eux. Nous sommes reconnaissants à certains pays qui les ont accueillis. Mais je désire pouvoir leur dire qu'aussitôt l'ordre et la stabilité revenus, ils pourront, s'ils le souhaitent, rentrer pour participer au grand combat de la reconstruction. Monsieur le Président, je suis venu vous dire, au nom du peuple haïtien, que nous sommes prêts pour ce changement que nous attendons depuis un peu plus de 2 siècles. La liberté n'est complète que si elle permet à chaque citoyen de s'accomplir, de vivre dans la dignité et dans des conditions décentes. Je suis venu vous dire, au nom du peuple haïtien, que la question sécuritaire demeure la grande priorité de mon gouvernement, que la circulation des armes à feu, les enlèvements contre rançon, les massacres constituent des préoccupations majeures de mon administration. Monsieur le Président, le quotidien du peuple haïtien est pénible. C'est pourquoi le Conseil de sécurité, qui dispose du pouvoir et de la compétence nécessaire en vertu du chapitre 7 de la Charte, doit agir en urgence en autorisant le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité à composantes policières et militaires pour aider la police nationale d'Haïti à combattre les gangs et rétablir l'ordre. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement propice au bon fonctionnement de l'État. C'est un préalable nécessaire, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous nos maux. Les inégalités sociales et la très mauvaise répartition de la richesse nationale ont creusé un écart énorme entre les masses populaires nécessiteuses et la minorité possédant qui contrôle 90% des richesses du pays. Et puis, les États-Unis qui annonçaient des prises sanctions contre 5 citoyens haïtiens, mais jusqu'à présent, n'ont pas cité. Mounsayo accusé comme moun cap courir violence dans le pays d'Haïti. Mounsayo pas capable d'entrer dans le pays États-Unis. C'est secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a annoncé ça sur compte X, ancien Twitter. Il dit, mais prenez-y pour me poser restriction visa 5 moun pour violence yo commettre dans le pays d'Haïti lorsqu'il a couru gang. Blinken a ajouté, Washington continue demander compte à responsable haïtien qui yo même là a créé violence et instabilité dans le pays. On a rappelé gagné et plusieurs monde déjà qui déjà sanctionné tant Ronnie Célestin, ancien sénateur Richard Lénine, Hervé Foucan, Joseph Lambert et Yuri la Tortue. La paix a fait dans mitan bandio d'après ça yo fait connaître cependant gagné pile acteur dans société a qui paraît un petit crasse pintade qui pas voulait quoi causer la paix. Ça c'est une note vocale qui a circulé sur les réseaux sociaux yo côté bandio annoncé et ben yo fait la paix monde qui a commencé retourner dans quartier. Directrice exécutif CJ la plante dit c'est le patin des bribales chanté encore la quoi il fait connaître bandio continuer à faire victime dans divers quartiers en cours vive Mitchell à zone la montagne en côté Justine Kola qui c'est directrice exécutif CJ la que là nous pas attendre que aucun côté dans pays a que monde cap mourir avec balle que monde cap courir qui te caillou que monde qui brigé là que des bras balancés parce que aux victimes ça bandits donc c'est là ça moi crois que monde ta capable de se prendre qui sérieux ça qui ça nous attendre ou que ça cap vivre sur les réseaux sociaux mais dans cas contraire ça pour causer dit ça pour causer dire parce que pendant parole ça a circulé
sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui sont victimes en babal dans Vivi Michel. Il y a des gens dans la 4e Belleville, à Montaille, qui a mouru en babal et qui a assassiné. Donc, il y a différents côtés dans la zone métropolitaine. Donc, il y a des gens qui habitent. Nous-mêmes, nous plutôt à suivre qui ça et déclaration ça et réunir et qui ça y a côté en réalité. Moi, je peux pas faire analyse. Je cherche à comprendre. Eh bien, c'est ça, oui, c'est ça qu'elle dit. Je cherche à comprendre qui lien qui vient en bagage ça et qui lien qui vient en parole ça avec souhait et puis déclaration et pour les ministres. Donc, pour nous-mêmes, nous croyons que ça doit gagner Makonaï, mais en tout cas, ça n'a pas, ça nous continue à attendre, ça nous continue à vivre et dans le pays là, donc pas montrer ça. Et en plus de ça, en tout cas, je nous toujours connais. Et question force étrangère qui peut venir en Haïti, donc c'est jusqu'à maintenant. Et c'est plutôt je équipe qui sous pouvoir, mais qui petit monde dans le pays, il y a réellement qui croit que c'est une force internationale qui est capable de résoudre problème dans un problème banditisme, problème groupe armé, et qui admettait tout le monde, ou même devant, ou même derrière, dans le pays, et qui petit monde croit ça, donc, parfois, quand tout le monde qui croit non bah comme ça. Donc si t'as pas pile le monde qui croit non bah comme ça, donc ça montre effectivement que sommet bon à n'a pas hier, donc ça sont barrés, que nous passons très souvent. Ah oui, donc et c'est ça, et là nous considérer question infinité, donc c'est une la cause qui mène pays à non genre là, donc ça veut dire c'est encore une fois continuer à bailler à bail infinité j'arrête et dans le pays et dans Kassa donc on peut quoi sortir dans la situation. Sous mon parle, gagné ancien militaire Ashley Larac, dit pas quoi du tout, dans sa clé la PA. Ancien membre groupe travaille sous sécurité GTS, l'enfer qu'on est, même jeudi, hein. T'es qu'un coup de bague qui a chanté sous route, frère, dans mon cabrit, Ashley Larac a demandé, est-ce que c'est contre un soldat, yo, chef gang, yo, perdu, en côté Ashley Larac? Je pas prendre ça au sérieux, parce que pendant que a fait voice là, sous route, frère, dans zone de Vivi Michel, dans pile coup de jambe qui a tiré toujours. La police de Gouma avec yo. Et ensuite, saut d'après nouvelle là, quand bat mon Gabriel, il tire son bus et puis il kidnappe l'autre bus. Donc, entre ça, monsieur dit, et puis nouvelle la presse, est-ce que les gens contrôlent le paquet, contrôlent le soldat qui est dans le maillot? Est-ce que c'est menti à bas? Je ne suis pas capable de connaître, mais je vous dis là, tout ça qui a passé là, mon thème, je ne suis pas capable de faire au concert. Bon, je ne sais pas quoi il y a un si monsieur, chef gang, vraiment, vous voulez faire meilleur coup de paille, et puis vous voulez rentrer dans la bataille avec la population, à but que ni dirigeant, ni dominicain, ni vle fait nous, ce serait une très bonne chose. Et nous t'a réglé différents que nous entre nous après. Mais nous avons réglé différents pour problèmes que nous avons à l'autre monde avant. Mais le second, pas une hiérarchie là, non, et pas une discipline non plus. C'est-à-dire que vous avez un paquet de soldats qui n'est certainement pas un contrôle, et qui a continué à faire mauvais actes. Quand vous pouvez faire une chose bien là, jour, tout à midi là, ça m'a tiré sur votre frère, dans zone Vivi Michel, même balle perdue, capable de tuer mon. Donc, en pile, coup de dame qui a tiré, et puis mon cabri, il a relevé que, il kidnapping qui fait. Donc, ça veut dire que, là, qu'on est, est-ce que c'est superstar, mais il a joué. Bien que, il y a un nègre qui bat un voice, m'ba quoi, c'est superstar, l'a fait. En général, m'ba quoi, j'aime d'aller, et barbecue, bah, il menti, mais ça, il dit le bras le fait mauvaise action, il fait une mauvaise action, yo. Bam de les chez méchants non plus impliqué dans aucune mauvaise action de kidnapping, rien du tout. Pour le monde qui connaît plus ou moins deux, trois chefs gang avant, qui content de parler de yo. Mais, son bagage est très confus. Et m'pas quoi. Et pas rien qui ban nous là, qu'on y a, ou d'un café, des chefs gang, confiance sous ça, yo dit. Comme d'a, ouais, bon, quoi, faut que population vraiment dansée, faut que t'a gagné l'autre témoignage, et de l'autre fait, faut que t'a gagné preuve, sous ça, dit. M'pas quoi vraiment que n'est-ce pas dans toute réflexion, ça. Yo pas réfléchi, soit y en a, il fait plusieurs voyages, et pour bon côté international, là, pour demander, c'est vraiment pour ça. Et puis, de toute manière, bagage, finalement, c'est une bêtise à passer, nous, puisque Kenya font une déclaration,
il m'a dit chapitre 7. Chapitre 7, là, c'est Nations Unies. Nations Unies est veto et Russie avec la Chine, qui n'est pas d'accord. Donc, si on dit que nous avons un chapitre, quand on connaît qu'il y a deux entités là-dedans, sous cinq pays qui n'est pas d'accord, c'est une bêtise qui va passer. Donc, et là, moi-même, enfin, une dépression qui est internationale, là, finalement, il a pour mal un plaisir pour passer une bêtise. Et je ne crois pas que Daniel fait réaction ça par rapport à l'analyse que tu as fait de ça. Et Ariel Henry a le fait des Nations Unies. Et puis toute photo, tout reportage montre nous que Ariel Henry fait surtout dormi, là, il a dormi dans la conférence, il ne parle de rien. Nous très sceptiques sur ce qui a passé pour ici, là, là, c'est parce que toute cette attention publique haïtienne, focus sur le conflit haïtien-dominicain, actuellement qui n'a pas besoin de venir dans ça, à partir de où le président dominicain commet, et où il voit que le gouvernement haïtien, naturellement, a racheté l'après. Mais au début, ils disent pas de contrôle le territoire et pas lutter avec le canal là. Et donc, ça vraiment, c'est un aveu de gouvernance extraordinaire. Et coordonnateur national bloc avocat engagé, yo, Caleb Jean-Baptiste, qui c'est avocat, qui lance un appel by bandit pour permettre moun kite kayo rentrer la kayo. Sou la coup paquet a li expliqué c'est à cause Jean pays a dirigé qui fait la Dominicanie a humilié nous comme ça en côté maître Caleb Jean-Baptiste. Mettre à genoux dans pied nous pour mander nous pardon pour peuple haïtien. Pour qui ça? Quand humiliation n'a prend dans même ce domaine. Quand humiliation peuple a prend tout côté le passé pour qui ça parce que quitter la kayo, il a le courir réfugié en République Dominicaine. Puisque c'est nous mêmes qui puissent dans moment hein? L'état moutel est puissant, mander nous pardon. Mandez nous grâce. Montrez que nous aimons le pays. Nous toujours avons dit que nous sommes révolutionnaires. Nous n'avons pas de problème avec la population. Ouvrez tout le monde pour tout le monde qui a circulé. Pas un message, faites tout pour nous retourner la caillou. Mandez pardon pour le monde qui a souffert. Pardon pour le monde bel air. Pardon pour le monde matissant. Pardon pour le monde savier. Pardon pour le monde latibonite. Pardon. Dit Iso, dit la vie de l'homme. L'homme en singe, Chrisla, Barbecue, Iska, Gabriel. Tout messieurs, dames, même ça m'a cité non yo. Qui est Sam, les gars. Pas quitter le peuple à West Samuel, pour le peuple à traumatisé. Quand les amis ont un caille, nous, le peuple à Bacapa. C'est à cause de ça qui vivait là, qui fait la première humiliation dans ces domaines. Pour ces domaines, fermer frontières avec nous-mêmes, Haïti, nos pays essentiellement agricoles. Monsieur Latibonitio, nous comprenons que l'humiliation, ça n'a subi à nous fautifs, parce que nous créons la production nationale. Nous ne pouvons pas faire durer encore. Mes amis, déposez les amis dans Latibonite. Oui, nous devons mettre à bas un exemple. Moun man a wana met a bayon exemple. Sel di canal wana met la pap kabay nou tout manger. Mais plein Latibonite pa ka travay parce que nèg exam prend illégal. Nèg exam fè peyi a bay zo pa ka travay. Pren conscience, c'est maman nou, papa nou frère. Sa nou ki nan misè la y a humilié, y a caché yo parce que c'est nous même qui exam nan nou fè quitter son nou bal. Mande pardon. Et puis m'a dit, moi Jean Charles, félicitations. L'autre jour m'te dwa bon l'autre jour. Oui, discours à pas de bord, discours à l'os à Babouel. Félicitations, parce qu'on t'a des raisons. Vous pouvez conseiller, moi, de dire que ciment, faire pour aller pour votre ciment, pour jouer pour le blanc, pour chercher ma carte. Parce que, faut qu'on t'aide, pour montrer que, pour écouter, pour t'aide, pour votre ciment, pour te faire aller, pour vous félicitations. Faut continuer à t'aider, et c'est ça qui a fait plus gros leader, qui a fait grandir. Mais quand on dit bagarre dans le discours, c'est pas bon, faut recorriger encore. Pour nous, avoir dit, c'est moi, Moïse Jean-Charles qui chef, qui j'ai ou même Moïse Jean-Charles qui chef là. Chef, non, qui ça. Mais pas moi qui chef, c'est nous, qui dit c'est nous, même petit de Salinio qui chef, mais t'as d'accord parce que son parti politique va diriger. Mais on dit c'est moi, c'est le moi, nous parlons de bagaille comme ça. Moi, pas qu'à changer Haïti, c'est nous qui a changé Haïti. Changer ce discours ça pour nous. Et puis continuer pour un conseil, pour qu'on grandisse plus, pour être dans le leader, dans le monde qui a fait mal pour payer. Et puis après, le bon moment arrivé, les nagardés, nagardé pas coup, nagardé, est-ce que c'est vous-même qui caillez. Mais toujours pour un conseil, parce que sans conseil, on va caler de pas. Comme dit Claude Joseph, si Claude, vous continuez. Continuez à bailler parole, sans action. Pendant quoi passeport à la main, quoi passeport Washington dans la main, volet, pendant que Jovenel Moïse mourit, assassiné par nos premiers ministres, vous dites tout le bagage sous contrôle, ça veut dire que c'est une nanègue pour ta mari en fond dans la main, Jovenel Moïse. Vous continuez à parler sous mon nom, vous fermez bouche, Ticlode. Fermez bouche et ma 10 militants pour responsabilité. Moi, militant chez Bacho, à parler des Ticlode, depuis nous marchons des Ticlode, pas à parler avec. Environ 250 000 Haïtiens quittent Caillou dans le pays à 200 000 dans la capitale là, sorti mois de mai pour arriver mois août 2023 d'après POHDH qui est l'organisation droit monde à cause violence améo d'après un rapport plateforme là qui dénonçait comportement autorité au face à déplacer yo qui exigeait tout
yon accompagnement pour moun ki koui ki te kayo. Alermi Pierre Villius, c'est responsable BYDH, la pour des plus de détails. Ça, c'est le deuxième rapport que BYDH publié sur question insécurité et déplacement forcé dans le pays. Le rapport ça, il concernait période mai pour arriver août 2023. Parce que à partir de mois juin particulièrement, nous constatons une intensification des actes violencieux à Port-au-Prince. Et dans quelques communes dans le département de la Tibonite, là, Tankou et Liankou, et Tivier la Tibonite. Et il y a eu dans le période ça, tout environ 10 attaques ou des massacres qui ont fait sur la population. Et situation ça a provoqué une vague de déplacements forcés population dans le pays. Nous notons que dans la période ça, il y a environ 250 000 personnes qui trouvaient en situation de déplacement forcé. Et parmi eux, nous avons 200 000 seulement pour zone métropolitaine. Seulement à Kafoufei, c'est 40 000 personnes qui sont obligées de quitter la CAIO pour être capables de fuir violence gang yo. Conditions catastrophiques que nous avons vues dans la CAIO qui ont représenté des violations graves de droits sa yo que la Constitution 87 la garantie et l'instrument international sous droit monde que l'État haïtien ratifié. Il faut que nous soulignions que nous avons constaté dans le rapport ça, qui est important, c'est que nous avons une augmentation excessive qui fait de monde des personnes en situation de déplacement forcé à cause de violence. Dans le premier rapport, nous avons publié en mai 2023, les populations déplacées ont été évaluées à plus de 100 000 personnes pour l'ensemble du territoire. Alors que dans le dernier rapport, nous avons déjà gagné 250 000 déplacés internes et seulement pour les régions métropolitaines, nous avons gagné 200 000. Nous-mêmes, dans le PYGH, dans le rapport, nous rendons le gouvernement de facto à Kalielio responsable des situations catastrophiques et situations désastreuses des milliers de familles sao qui sont obligées de quitter la CAIO à vivre. C'est parce que justement, le gouvernement de facto, pendant des années sao, il a garanti une impunité totale avec Bandio et Bandio a chassé Mounio dans la CAIO, il a tué, il a assassiné, il a violé, il a boulé CAIO et il a fait ça nous-mêmes, nous quoi, sous silence complice du gouvernement de facto qui n'a jamais pris disposition pour protéger la vie populaire. Jean Constitution exige ça et Jean Instrument International qui a rapport à droit monde exige ça. Nous croyons que autorité ou institution ou doit prendre des dispositions rapides pour être capable de porter assistance à monde qui vivent dans le chaos. Nous croyons que c'est l'occasion pour que le ministère de l'Éducation nationale, dans tête coulée avec le rectorat de l'Université de l'État d'Haïti, nous a mobilisé des étudiants en travail social et en psychologie dans l'idée pour porter un accompagnement et psychosocial à déplacer pour capable d'aider à traverser le moment difficile que là. Conseil supérieur de la police là, il doit prendre responsabilité pour garantir la sécurité de notre pays là, pour que l'autorité gouvernementale et policière prennent toutes dispositions pour permettre que, non seulement garantir la sécurité, mais permettre que les victimes ne puissent retourner à la CAIO. Si le monde est autour, qui est obligé de quitter la CAIO, prendre chemin à l'école, même gens avec tout l'autre simon. Environ 450 femmes et filles avouées, ils ont victimes de viol et l'autre forme de violence. D'après une enquête, Office Protection Citoyen OPC est menée dans 5 communes dans le département Grand-Est. D'après coordonnateur unité recherche et violence systématique, OPC Eliakim Kangé, principal auteur Zaksayo, c'est fonctionnaire public, enseignant et élu local. En côté Eliakim Kangé. Concernant les résultats de l'enquête, sur un total de 457 femmes et filles interviewées dans les communes ciblées par l'enquête, 112 ont répondu avoir subi une agression sexuelle ou une autre agression, physique, verbale ou psychologique. 208 ont été victimes d'agressions physiques ayant provoqué des blessures, parfois graves. 369 ont été victimes de violences verbales et d'autres formes d'intimidation. Parmi les violences sexuelles, c'est-à-dire le viol enregistré dans le cadre de cette enquête, 98,2% des cas de viol, c'est par voie vaginale. En ce qui a trait aux violences physiques, l'équipe a recensé plus de 107 cas parmi les 208 personnes qui ont donné des réponses positives, c'est-à-dire qui ont subi des agressions physiques, ce qui représente 51% des cas. En ce qui a trait aux violences psychologiques, dans la catégorie de ces violences, les injures, les propos réducteurs et menaces sont les plus saillants. 369 personnes ont confirmé avoir fait l'objet de violences psychologiques. L'enquête de terrain a révélé aussi, en ce qui a trait à la typologie des victimes, que des personnes de toute catégorie sociale et de tout âge sont victimes
de ces violences. Il y a les femmes et les filles de 15 à 25 ans qui sont les plus violentées. Elles représentent 36% des victimes. La catégorie de tranche d'âge qui vient après, c'est les personnes qui se trouvent entre 26 et 35 ans, qui représentent 23,7%. Ensuite, concernant les enfants, elles sont victimes de négligence, de violences physiques, d'abandon parental, de violences sexuelles, de violences psychologiques, de violences verbales. L'étude a révélé que 42% des femmes qui vivent seules font partie des victimes contre 35,6% qui vivent en concubinage, 11% de femmes légalement mariées. Concernant la prise en charge des victimes, les victimes ne font pas confiance au système judiciaire et préfèrent faire silence de leur situation. Donc 67% ont avoué n'avoir pas accompli des démarches de recours. Seulement 9% ont porté plainte aux institutions judiciaires. À noter que 4,6% ont remis leur cause à leurs croyances religieuses. Étant donné que dans notre enquête, nous avons voulu expliquer les facteurs déterminants des VFFF, eh bien, les données récoltées nous ont permis d'identifier les principales causes de ce fléau qui gangrène le département. D'abord, il y a le faible niveau d'éducation. Il y a aussi la précarité socio-économique des victimes, de domination masculine. L'OPC propose à ce qu'on éduque, sensibilise la population sur les droits des femmes et des filles. Il faut aussi renforcer la législation sur la répression des cas de VFFF. Il faut renforcer aussi les compétences des agents affectés à l'accueil des victimes dans la cellule VBG dans les commissariats, renforcer les capacités des cellules VBG et BPM de la police dans l'accueil, dans l'intervention et la gestion des cas de viol, mais aussi à travers la dotation de moyens logistiques et l'augmentation de l'effectif, notamment établir des points focaux dans chaque commissariat, dans toutes les communes, ce qui était ciblé par l'enquête, et dans toutes les autres communes à l'échelle nationale. Et puis, il y a Fédération Nationale Femmes Magistrats d'Haïti, FENA, AFEM, qui présentait officiellement jeudi en là, un agenda politique femme qui visait faire promotion, valorisation à cap. Participation familiale dans politique. Bien, madame Marie-Yolaine Philippe-Pousquet, qui parlait depuis 8 ans là, compte à 30%, mesdames, par jambes respecté malgré amendement constitution 1987 là. En côté, Marie-Yolaine Philippe-Pousquet, qui a apporté plus précision pendant souligner, mesdames, représenté 52% dans la société là, de plaider en faveur participation familiale dans tout espace décision. Cet exercice concrétise l'une des aspirations les plus chères à la FENAFAM dès sa création le 22 juillet 2016, celle de fédérer des femmes politiques et des féministes autour d'un même projet. La participation pleine et entière des femmes aux espaces de décision du pays à tous les niveaux. Ce projet a mobilisé des femmes et des organisations en provenance des 10 départements du pays. La FENAFAM est née après le scrutin municipal de 2015, d'où sont sortis 143 mairesses, dont 12 chefs de cartel, 131 assesseurs et plus d'un millier de femmes délégués de ville, conseillers d'administration des sections communales et membres d'assemblée des sections communales sur environ 7000 élus locaux et municipaux. La FENAFAM, qui rassemble toutes les mairesses du pays, chefs de cartel et assesseurs, porte la volonté des femmes élues haïtiennes au niveau des collectivités territoriales, notamment de contribuer aux efforts nationaux pour bâtir une société plus juste et plus égalitaire. Elle veut capitaliser sur l'expérience du pouvoir de ses élus locaux pour renforcer et favoriser la présence et la représentation des femmes à tous les échelons de la gouvernance du pays. La FENAFAM a pour objectif principal de construire les liens solides et harmonieux entre toutes les mairesses, d'encourager et de soutenir leurs initiatives afin qu'elles soient en mesure de remplir leurs devoirs ainsi que d'assurer une gestion efficiente de leur commune. Mais elle se propose également d'encourager des femmes en général à investir le champ de la politique en Haïti. Celle-ci représente 52% de la population haïtienne et ont largement contribué à la vie politique et démocratique du pays. Néanmoins, leur participation et leur représentation au sein des institutions étatiques et des postes de responsabilité restent imperceptibles et ce, en dépit du quota de gens institué par la Constitution de 1987 amendée en 2011 en son article 17.1. Force est de constater que plus de 8 ans après cette disposition constitutionnelle, la représentation des femmes dans les instances décisionnelles tarde à s'améliorer. L'exclusion politique des femmes est fonction des
des institutions sociales, des normes et des valeurs qui déterminent elles-mêmes les perceptions et les comportements de la société vis-à-vis des femmes. Partant de ce constat, la sensibilisation, la formation et l'information tant des femmes que des hommes demeurent les principaux moyens de déconstruction de ces perceptions pour des changements de comportement. C'est en ce sens que la FENAFAM s'est engagée dans le projet qui a abouti à l'agenda politique des femmes. Voilà, merci tout le monde qui débranche Tak Info News, d'ap croiser dans le prochain journal.